Comment éduquer ses enfants et faut-il faire la hijra? Donc on commence par la question de la hijra. La règle chez les savants, c'est que la hijra, elle devient obligatoire à partir du moment où on ne peut pas pratiquer son dîn dans l'endroit où on est. C'est-à-dire que si dans la ville où je suis, je ne peux pas pratiquer mon dîn et que dans la ville d'à côté, je peux pratiquer mon dîn, eh bien la règle, ça va être de faire la hijra d'une ville à une autre, de faire la hijra d'une région à une autre. Si au nord de la France, je peux pratiquer mon dîn et qu'au sud de la France, je ne peux pas pratiquer, ben je fais la hijra du sud à la France, du sud au nord, pardon. Donc, Ardullahi wasi'a, la terre d'Allah, elle est large. Elle n'est pas limitée par des frontières ou par des. C'est là où je peux pratiquer mon dîn. Si dans l'endroit où je suis, je ne peux pas pratiquer mon dîn, et quand on dit je ne peux pas pratiquer mon dîn, les savants, ils divergent sur cela. Certains, ils ont dit shara'ir dhahira, donc les législations apparentes comme l'adhan et d'autres. Mais d'autres, ils ont dit surtout, et c'est ça le plus important, les obligations individuelles. C'est-à-dire, c'est un endroit où on m'empêche de prier, où on m'ordonne de me prosterner devant une statue, où on m'ordonne de faire du shirk, etc. Donc là, oui, il va falloir quitter cet endroit-là vers un autre. Mais tant qu'on a un minimum où on peut pratiquer son dîn, ça va être recommandé et non pas obligatoire d'effectuer l'obligation, d'effectuer la législation de la hijra. Donc la hijra ne devient obligatoire qu'à partir du moment où je ne peux pas pratiquer mon dîn. Et ce n'est pas forcément vers un pays musulman. C'est recommandé que ce soit vers un pays musulman, mais ce n'est pas forcément vers un pays musulman. Okay? Donc maintenant, par rapport à cela, ça c'est un paramètre. Donc la hijra, ce n'est pas un concept monolithique et sclérosé. C'est une règle qui est. C'est un paramètre qui est malléable et qui s'adapte à la situation de la personne. Donc on ne peut pas comparer la situation de deux personnes. Il se peut que pour Amr, c'est impossible pour lui de pratiquer son dîn pour des raisons qui le concernent. Et pour Zayd, ça va être possible de pratiquer son dîn dans la même ville. Ok? Donc ça, il va y avoir la règle qui régit donc la relation de chacun avec ce principe-là. Donc c'est un paramètre et ce n'est pas une obligation, une législation qui est figée dans le marbre. Ça, c'est important de le préciser. Ensuite, dans notre situation en France à nous, pareil, ça s'adapte à la situation de chacun. Maintenant, si vous me dites, la question, elle précisait, par exemple, mes filles ne peuvent pas porter le hijab à l'école. En France, il y a des solutions qui peuvent faire en sorte que la fille puisse porter le hijab, même dans le cadre de ses études, les écoles privées, par exemple. Est-ce que c'est une solution ou pas? Ça, c'est libre à chacun. Moi, je ne suis pas en train de dire que les écoles privées musulmanes, c'est la solution. Je sais qu'il y en a dans lesquelles le niveau est mauvais. Je sais qu'il y en a dans lesquelles l'organisation est mauvaise. Je sais qu'il peut y avoir du mal dans ces écoles-là aussi, etc., etc. Je ne suis pas en train de vous vendre une solution miracle. Je suis juste en train de vous dire qu'il y a des éléments qui peuvent faire que certaines personnes vont pouvoir rester, d'autres personnes vont devoir partir. Mais chacun peut le savoir de lui-même. Si vous, dans votre situation, vous voyez que c'est impossible pour vous, vous n'avez pas les moyens pour une école privée. La situation devient très compliquée, on a déjà par exemple menacé vos filles ou peut-être même pire, on les a agressées, et bien là effectivement, la question de partir est légitime et se pose. Si ce n'est pas votre cas, ça peut ne pas être une obligation même si ça reste recommandé. Donc si vous avez la possibilité de partir, et bien, Ardullahi wasi'a, comme on a dit, la terre d'Allah, elle est large. Si vous avez d'autres possibilités, d'autres, je sais qu'il y en a qui font l'école à la maison, il y en a qui font. Qui vont dans d'autres régions où c'est un peu plus tolérant, plutôt que la région parisienne où ça peut vraiment être un étau et un carcan pour les personnes qui y sont. Donc voilà, c'est pour cela que le fait de dire, comme certains aimeraient qu'on entende, certains pensent qu'on ne dit pas ça par crainte ou par peur, ou des fois j'ai des messages, pourquoi vous parlez jamais de la hijra? Mais on en parle de la hijra, il n'y a aucun problème, on en parle et on l'enseigne et c'est dans les livres de fiqh. Mais c'est juste que. Vous avez un fantasme de la hijra et un concept de la hijra qui n'est absolument pas celui que nous enseignent les fuqaha. Ce n'est pas un concept qui est sage, c'est juste un concept fanatisé. Quand on dit fanatisé, c'est pas dans le sens fanatique religieux. C'est fanatisé, c'est dans le sens fantasmé. Dans le sens où certaines personnes attendent juste à ce qu'on dise hijra obligatoire, hijra obligatoire. On prend un panneau et on dit tout le monde doit partir. Mais ce n'est même pas ça la sagesse de la charia. Ce n'est pas ça la raison pour laquelle le législateur a institué cette législation. Ce n'est pas ça ce que les fuqaha disent. D'accord? Mais maintenant, on ne nie absolument pas qu'il y a la question de l'obligation de la hijra pour la personne qui ne peut pas pratiquer son dîn. Ok? Mais ça ne veut pas dire que c'est une règle qu'il faut généraliser à tout le monde en disant tout le monde là doit plier bagage et partir vers où? Partir vers où? Peut-être que des gens vont partir. Wallah el-Azim, je connais des personnes
qui ont essayé de répondre à ce concept fanatisé, comme je dis, et fantasmé, qui sont partis du jour au lendemain dans des pays que je ne citerai pas, où les conditions de vie étaient difficiles. Dans ces pays-là, ils n'ont pas réussi à pratiquer leur dîn, encore pire que dans le pays où ils étaient. Dans les pays où ils vont pour apprendre l'arabe avec des marakis, etc., où il y a certains despotes qui sont au pouvoir. Dans ces pays-là, ils ont eu des difficultés pour pratiquer leur dîn qu'ils n'avaient même pas dans le pays où ils étaient. Je ne suis pas en train de faire les éloges de la France. Hein. Je suis le premier à dire que la France, il y a une islamophobie qui est systémique, le gouvernement est injuste, il y a des lois qui sont injustes. Je ne suis absolument pas en train de faire les éloges de la France en disant que c'est une terre de... Au contraire, en France, il y a des catastrophes qui se passent, il y a des lois qui sont liberticides, qui sont injustes, qui sont islamophobes, et c'est une réalité, il faut le dénoncer. Mais je suis juste en train de dire qu'il y a certains pays qui ne sont pas mieux. Il y a certains pays qui sont main dans la main avec la France, sur toutes les lois et mesures liberticides et islamophobes. Et donc on va dans ces pays-là, en disant oui, on va faire la hijra, on va apprendre l'arabe et le Coran. Résultat, les mêmes problèmes. On se retrouve convoqué par les mukhabarat, par les renseignements généraux, dans les commissariats de police. On se retrouve menacé, ses enfants menacés du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, et wallahi, ça c'est des témoignages réels que j'ai. Hein. Bon, je vais citer le pays parce que peu importe, en Égypte. Du jour au lendemain, un frère, il s'est fait expulser, c'est-à-dire il est parti pour faire la salat. Il est sorti de la mosquée. Il y a eu une rafle, la police est arrivée, ils les ont embarqués. Il est resté je ne sais pas combien de temps, combien de jours en garde à vue. Du jour au lendemain, ils l'ont expulsé en France. Et allez, débute le calvaire pour aller récupérer sa femme et ses enfants. Sa femme et ses enfants, ils sont restés en Égypte, bloqués. Et lui, il s'est retrouvé en France. Et vas-y, maintenant, t'as fait la hijra en tête baissée en disant « je vais faire la hijra » et t'es tombé dans un pays qui est pire que celui que tu as fui. Pareil pour la Tunisie, une certaine époque. Je suis tunisien, je sais comment ça s'est passé. Pareil pour la Tunisie après la révolution. C'était catastrophique. Des rafles de personnes dans les commissariats, des gens qui se font expulser pour rien du tout. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il a un concept fantasmé de cette notion de la hijra qui n'est pas le concept des fuqaha. Maintenant, oui, si vous arrivez à avoir un milieu qui est conforme à celui des fuqaha, ce que les fuqaha disent, c'est très bien. C'est très bien. Moi, par exemple, je suis actuellement dans le sud du Maroc. Pour moi, c'est l'une des meilleures régions parce que les gens sont extrêmement bons, parce que, mashallah, je croise que des personnes qui sont très, très agréables à vivre, très gentilles. C'est la campagne, donc on a une vie un peu plus douce. Je ne suis pas en train de faire la propagande pour une région, c'est juste pour donner un exemple. Il y a la mosquée à côté, alhamdoulilah, tout le monde est pudique, tout le monde respecte même la tenue vestimentaire qui est correct, et il y a des écoles, il y a des madaris, il y a des endroits pour apprendre, etc. Donc si la personne elle a la capacité d'avoir un pays qui est correct, dans lequel les gens sont respectueux, etc., Fani Imahi, c'est une très bonne chose. Et je suis le premier à... Je ne vais pas aller dans le sens inverse de ce que je fais, de ce que j'essaye de prôner. Mais c'est juste pour dire que le fantasme qu'il y a autour de la hijra, c'est un fantasme qui est biaisé chez beaucoup de personnes. Qui est biaisé chez beaucoup de personnes qui vont foncer tête baissée dans des milieux, dans des endroits, dans des pays dans lesquels ils ne vont pas pouvoir pratiquer leur dîn. Et donc l'objectif pour lequel ils ont quitté la terre, dans laquelle ils étaient, dans laquelle il y avait leur famille, ils ont plié bagage du jour au lendemain, il n'a même pas été concrétisé, réalisé. Wallahi, je parle en tant que Tunisien, moi j'habite dans le nord de la Tunisie, franchement, je préfère ma vie à Paris que ma vie dans le nord de la Tunisie. Franchement, oui, il y a des mosquées, il y a l'adhan, c'est le seul argument. Dans la liste des arguments positifs, mosquée, adhan. Après ça, il n'y a rien. Les associations, voilà que tous les deux jours, il y en a une qui ferme. Les cours de Coran, même à Zaytouna, les cours de Ilm, même à la mosquée de Zaytouna, voilà que le gouvernement l'arrête, ensuite réautorise et le réarrête, et le réautorise et le réarrête. Et après, tout ce qui est perversité, nudité, alcool, donc le façade qui est répandu, etc. Hadith ou la haraj. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un pays musulman et qu'il ne faut pas y habiter. C'est une figure de style quand je dis que je préfère ma vie à Paris. Ça reste, alhamdoulilah, un pays dans lequel il y a une certaine tradition, dans lequel il y a des facilités pour faire certaines choses. Mais c'est pour dire que il y a des choses que j'ai vues dans les rues de Tunis centre que je n'ai pas vues à Paris. Wallahi l'azim, je parle véritablement, concrètement. Il y a des choses que j'ai vu dans les rues de Tunis centre, que je n'ai pas vu à Paris. Voilà. Des gens qui insultent le dîn, on l'entend de nos oreilles, des gens qui insultent Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, je ne l'ai pas vu à Paris.
À Paris, celui qui blasphème, au pire, il se prend un regard noir, au mieux, il se prend un regard noir, au pire, Allahu alam, comment il finit. Alors qu'à Tunis, celui qui blasphème, on lui déroule le tapis rouge. Il est au café, il boit son café, il fume sa cigarette, il blasphème. Normal. Des termes grossiers. Je passe avec ma mère des fois, wallah, j'ai honte. Wallah, je fonds sur moi-même. J'ai de la transpiration. Des termes grossiers, obscènes, limite sexuels, qui sont évoqués comme ça dans la rue, normal, sans aucun problème. Et c'est comme ça que les enfants y grandissent, et c'est comme ça que dans ce milieu-là, et c'est ça la hijra. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc la hijra, c'est un paramètre. La hijra, c'est un paramètre. Maintenant, je ne suis pas en train de faire un jugement général, parce que justement, on ne peut pas faire de jugement général. Le fait d'avoir un jugement général dans lequel on ne va pas étudier la situation de la personne, on ne va pas étudier l'état dans lequel elle est, les obligations qu'elle a, les responsabilités qu'elle a. Peut-être que la personne, elle ne peut pas quitter son pays et qu'elle va se mettre dans une situation où elle va être donc dans une situation de gêne financière. Donc voilà, ce fantasme-là qu'il y a autour de ce principe qui est réel et cette règle qui est réelle de la hijra, il commence à être fatigant parce qu'il y a des personnes qui essayent de faire tourner ça en disant « Oui, vous aimez la France, mliha França. » Moi, je ne me reconnais absolument pas dans ce discours. S'il faut sacrifier le confort, alhamdoulilah, je suis pas le dernier à avoir été dans cette situation-là, de sacrifier le confort, d'aller étudier dans les montagnes, d'aller manger un pain par jour, de déjeuner avec de l'huile et un bout de fromage. Ça, il y a des gens qu'on voit fanfaronner sur les réseaux sociaux et lui, il habite à Lille. Et c'est lui qui va dire, ouais, vous aimez trop la France pour faire la hijra. Mais toi, t'habites à Lille, mon frère. T'habites à Livry-Gargan, t'as jamais quitté ta maison et de ton petit jardin, tu fais tes petites vidéos en disant, ouais, vous aimez trop la France, vous aimez trop le confort. Alors que, wallah, c'est des gens, on les met une semaine dans la situation de certains talabas ici, notamment au Maroc ou dans les madaris atiqa, ils ne tiennent pas. Au bout d'une semaine, il va dire, quand même, akhi, la religion, c'est la facilité. Donc, il y a des gens qui brandissent ce concept-là, c'est juste un cliché pour eux, c'est pas une réalité fiqhi. Alors que celui qui a un nazar fiqhi, celui qui a une vision qui est en accord avec la jurisprudence, celui-là, il a donc un regard qui est raisonné, un regard qui est sage, et il sait que oui, il y a la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a les règles qui sont en lien avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a l'application qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a faite de. Nous a accordé de ces règles-là. Et ces règles, elles peuvent s'appliquer dans une certaine situation, comme elles peuvent ne pas s'appliquer dans une certaine situation. Donc voilà, ça c'est le regard juridique, pondéré, pesé, mesuré que les fuqaha nous ont transmis. Mais les imbéciles du net qui sont bons qu'à brandir des concepts sans les comprendre, ceux-là, ils n'ont pas de regard fiqhi. Ceux-là, ils ont juste des clichés dans la tête et c'est des cartes qui sortent, comme le Uno. Contre Uno, Uno contre Uno. C'est des cartes dans leur esprit, c'est pas une réflexion qui est mesurée, c'est pas une réflexion qui a un objectif. C'est juste des concepts qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes et qu'ils n'appliquent même pas eux-mêmes. C'est les premiers, wallahi, c'est les premiers à ne pas les appliquer. C'est les premiers desquels on se plaint, même quand ils vont dans des pays à l'étranger, c'est les premiers qu'on retrouve au mall aller consommer des fast-food, c'est les premiers qu'on trouve dans la paresse, dans le. C'est une image, hein, parce qu'ils vont dire, ah oui, c'est pas interdit de consommer un fast-food. On sait que c'est pas interdit. Mais c'est une image pour dire que c'est les premiers qui vont être dans le manque de sérieux. Et c'est les premiers qui, ensuite, au retour, ils vont venir et ils vont dire, hey, vous, en France, vous aimez trop le confort. Ah en France, ils aiment trop le confort. Ouais. Voilà, il y a des gens qui sont plus sérieux en France. Et j'en connais de moi-même qui sont des étudiants chevronnés, acharnés, qui mémorisent, qui étudient, qui respectent les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et les obligations. Et qui s'écarte des interdits, plus que certaines personnes qui prétendent la Hijra McDonald's.